Wehrkampftage der SA in Prag. Mit klingendem Spiel marschieren Abteilungen des Reichsarbeitsdienstes durch die Straßen. Eine Einheit der SA-Standarte Feldherrnhalle, Prag. Ma voix émane d'une époque bien précise, la nôtre, celle du XXIe siècle. Elle vient avec les connaissances que nous avons toutes et tous intégrées sur ces événements, ainsi qu'avec l'habitude d'être confrontés aux images de propagande. Diffusée en première partie dans les cinémas du Reich, comprenant le protectorat de Bohême-Moravie, dont le centre politique était Prague, ces images d'actualité étaient l'un des leviers favoris du ministère pour l'éducation du peuple et de la propagande, présidé par Goebbels. J'ai souhaité les exhumer des fonds de l'ECPAD car, entre les tissages du montage, se joue la politique de germanisation et la cruelle répression qui l'accompagna. Politique que le gouvernement nazi mit en place dès les premiers mois de l'occupation de l'ex-Tchécoslovaquie, en date du 15 mars 1939. Lettre d'Alfred Fischel, directeur de l'Institut français de Prague, à André Mazon, directeur de l'Institut d'études slaves à Paris, le 15 mars 1939. Bien reçu votre bonne lettre du 12 dans de bien tristes moments. Que vous dirais-je ? Tristesse infinie, occupation correcte. Pour le moment, rien de changé à la vie de notre mission. Nous attendons des instructions de Paris et le déroulement du drame avec beaucoup de sang-froid. Les peuples slaves, jugés comme dégénérés, sont inscrits dans les textes officiels comme devant être effacés du Reich idéal. Selon leur classification, les dirigeants estiment que certaines catégories de population peuvent être solvables dans la nation allemande, tandis que d'autres doivent être éliminés. Germaniser, c'est aussi imposer la langue allemande à tous les niveaux de la société. Les actualités sont diffusées en allemand et jamais en tchécoslovaque. Im Tschernin-Palais sprach der Reichsminister zu den deutschen Kulturschaffenden des Protektorates. Er dankte ihnen für ihre Arbeit und ermahnte sie, sich immer ihrer kulturpolitischen Vorpostenstellung für das Reich bewusst zu sein. Son statut de langue officielle est également rappelé par l'image. Alfred Fischel à André Mazon, le 15 juin 1939. J'ai reçu hier la visite d'un fonctionnaire du parti nazi, probablement un sudète, qui m'a demandé si nous pourrions louer au Parti national socialiste allemand nos appartements de représentation. Inutile de vous dire qu'il lui a été répliqué. L'individu a été très correct. Qu'est-ce que cela veut dire ? On parle beaucoup d'annexion, mais je ne vois guère ce que les Allemands auraient à y gagner. PS, j'ai adressé une lettre détaillée sur la démarche du nazi et j'ai immédiatement prévenu le consulat. Après tout, ne pourrait-ce être un avertissement avant une réquisition ? Prague est cadrée, montée, commentée pour apparaître comme une cité centrale au cœur du rayonnement du Grand Reich. Sur ses pavés, entre les murs de ces monuments, le nazisme se représente comme seul détenteur du pouvoir en place. Et les opérateurs la subliment avec ces vues qui font penser à des cartes postales. Bei den rhythmischen Tanzübungen zeigen die jungen Rumäninnen Anmut, Schönheit und beschwingte Lebensfreude. Mémoire de Peter Demetz, professeur de littérature à Yale.
Au début de l'été 1939, les premiers décrets anti-juifs furent publiés. La moderne Prague, encore hier animée et ouverte à tous, se mua à nouveau en une cartographie désordonnée, voire moyenâgeuse, de restrictions et d'exclusions brutales. Solche Übungen verlangen Mut und Gewandtheit. En 1942, au cours d'une réunion secrète du gouvernement, le Reichsprotecteur et général SS Reinhard Heydrich exprime la volonté d'augmenter la tenue d'événements sportifs en Bohême-Moravie. Ceci dans le but de détourner les Tchécoslovaques de la politique et ainsi d'accélérer l'assimilation de la population à la nation allemande. Ces images de compétitions et d'exercices sportifs, dont la majeure partie ont été filmées au Stade Strahov de Prague, furent diffusées en août 1943. Leur fabrication fait écho à ses intentions. La propagande spécifique à l'espace du protectorat se fait même messagère de répression directe. Avec cet extrait diffusé en novembre 1943 de l'introduction du nouveau Reichsprotektor Wilhelm Frick au château de Prague. Les multiples signes de reconnaissance par les membres du gouvernement bâtissent l'image d'un homme politique puissant. Ceci en réponse à l'assassinat de son prédécesseur, le 27 mai 1942. Heydrich a été tué par les anthropoïdes, Josef Gabčík et Jan Kubiš, deux soldats tchécoslovaques envoyés par Edvard Beneš et le gouvernement tchécoslovaque en exil installé à Londres. Cet acte de résistance fut suivi d'une période de terreur, pendant laquelle les villages de Lidice et les Jaski ont été massacrés. Les transports depuis Térésine vers les camps d'extermination se sont accélérés et les membres d'Anthropoïdes ont été traqués et tués à Prague. Madeleine Vukun-David, étudiante boursière à l'IFP, à André Mazon, le 7 juillet 1942. Vous devinez que j'aimerais répondre par là même à votre carte, mais malheureusement le temps n'est pas... en ce moment, aux longues lettres, et il faut se contenter de dire l'essentiel. Nous continuons donc d'aller relativement bien, mon mari et moi. Reichsprotektor Dr. Frick empfängt den Besuch des tschechischen Staatspräsidenten Dr. Hacher, der im Jahre 1939 das Schicksal Böhmen und Mährens in die Hand des Führers legte. Filmé et montré au public pragois, l'arrivée du nouveau Reichsprotektor agit comme un rappel des effroyables mesures qui avaient été appliquées quelques mois auparavant. L'image de propagande se fait véritable menace, agent d'oppression qui s'impose depuis les hauteurs du château. Comme le souligne Victor Klemperer dans la langue du Troisième Reich, le parti nazi se racontait en fait par tous les canaux de la propagande. Appliqué au protectorat de Bohême-Moravie, l'officiel et le grandiose se révèlent un langage spécifique, visant l'anéantissement à la fois de l'identité tchécoslovaque ainsi que de toute velléité de résistance.